Yo tout le monde, c'est Fusing Ghost et aujourd'hui on se re-retrouve sur Crysis 3 sur la map Ligne d'Horizon, donc dans le mode que j'avais un peu parlé, donc je sais plus comment il s'appelle. C'est un genre, en fait c'est une mêlée générale si on veut, sauf que on est obligé de prendre un flingue, donc vous voyez qu'il y a prédéfini, donc Majestic 6, donc ça c'est le flingue. Et donc là je pense que les personnes qui ont joué à Crysis 2 vont reconnaître cette map, c'est obligatoire. Donc là je commence à peine et je me fais direct défoncer. Donc ce qui est un peu chiant sur Crysis 3, c'est qu'on est à chaque fois obligé de regarder les killcams. Donc là voilà, les gens qui ont joué à Crysis 2, c'est obligé que vous, si vous avez un joué en multi en tout cas, que vous reconnaissez cette map. Sauf que là c'est vrai qu'elle a un peu changé, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a de la moisissure, enfin bref, il y a de la mousse, tout ce qu'on veut. Donc je me fais déjà bien défoncer, ça va peut-être pas forcément un gameplay très beau, c'est même plutôt très moche. Mais c'est juste à cause de la map et je me suis bien éclaté, donc je me suis dit que je pouvais vous la proposer. Donc là, bah les gens, en fait, peut-être même les gens qui n'ont pas acheté Crysis 2, je veux dire, toutes les personnes qui ont joué à la bêta de Crysis 2, bah elle était cette map sur la bêta de Crysis 2. Et justement moi j'avais tellement joué à la bêta que quand j'avais le jeu complet, bah, j'ai plus trop joué. Je sais pas pourquoi j'ai dit autant de fois, je sais pas, absolument pas. Donc vous voyez que cette map est quand même assez jolie. Enfin moi c'est vraiment une de mes maps préférées, hein, donc oh putain, mais ça m'énerve, je suis un peu noob sur les bords. Je me fais un peu défoncer parce que regardez, lui il me faut une balle et pouf, moi je suis calé par terre. Direct, pas de temps d'attente. Donc ça va être une vidéo plutôt courte, elle va faire 4 minutes 38 il me semble. Je ne suis pas sûr, donc là, ah, il est invisible et voilà, il m'a mis un coup. Parce qu'en fait, on se fait défoncer pour un rien de truc. Donc là j'ai fait du 1-5, super score, magnifique. Franchement, on peut pas faire mieux. Donc là on va faire un petit écrasement, même s'il y a personne, on s'en fout, c'est pour pas prendre de dégâts au saut. Donc là j'ai vu un gars sauter, on va se mettre en mode armure, on va voir s'il y a une tête de bite qui veut venir. Et bonjour, voilà il est mort. J'ai tué un gars, mais c'est génial, alléluia. Non désolé, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas chrétiens, et donc, enfin catholiques, et donc ils apprécient peut-être pas ce terme. Donc voilà, encore un petit gars qui s'est vraiment offert à moi. Il est vraiment sauté devant moi, ça m'a été assez pratique, j'avoue. Je l'avoue. Donc, toi t'es aussi, t'es mort. Et, oh, ils m'ont nouveau tué. Donc là, pardon, je viens d'appuyer sur mon bouton sans faire exprès, c'est pas grave. Donc là, je vais commenter assez beaucoup le gameplay, vu que c'est pas une vidéo très très longue. Donc je vais pas m'attarder à des trucs, par exemple, à des sujets qui se passeront sur ma chaîne après les vidéos Crysis 3. Donc, après cette vidéo, il y aura deux vidéos dans le mode chasseur, donc sur la map Williamsburg et sur le barrage de je sais plus trop quoi. Enfin bref, donc voilà, ça ce sera les deux vidéos qui suivront celle-là. Il y aura peut-être une autre vidéo entre. J'espère aussi que ma vidéo que j'ai fait en survie sur dépôt avec quelques membres de la Fusing, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Parce que nous on a fait un petit défi dedans et j'ai trouvé ça assez drôle. Je me suis dit que bah, peut-être que ça vous plaira. Donc j'aimerais bien votre avis sur la chose. Donc si vous avez aimé le zombie sur dépôt, vous mettez un commentaire dans la vidéo du zombie sur dépôt, logique. Et voilà. Parce que c'est vrai que c'est assez rare. Enfin c'est même très très rare que je fais des vidéos en zombie avec des potes. D'habitude je fais plutôt ça en solo. Pourquoi? Parce que je trouve que j'arrive mieux à gérer. Tout simplement parce que souvent quand on est à plusieurs, on va réanimer l'autre et on crève. Ou alors on se fait bloquer à cause qu'il y a un autre qui tourne mal ou qui tourne pas dans le bon sens. Enfin voilà, donc c'est assez chaud. Donc là je fais du 5-9. Super. J'ai un peu honte quand même à vous proposer ce gameplay. Mais c'est vrai que je me suis tellement amusé et j'ai tellement aimé cette map que je me suis dit que voilà, ça remplacerait tout le reste. J'espère. Oh, il m'a fait un coup de poing par terre. Oh, c'est pas juste. Donc voilà, c'est terminé les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.